Dans la suite du message du dimanche dernier sur la source d'eau intarissable donnée par le primat du ministère chrétien du combat spirituel, les partenaires de Jésus ont été confiés à restaurer la source d'eau qui jaillit dans leur cœur. Une restauration qui permettra à chacun de vivre les promesses de Dieu dans sa vie, a rassuré le disciple de Jésus, le général Denis Kikobia. Effectivité de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo le lundi 5 septembre 2022. Les Bleus-Blancs ont renoué avec le chemin de l'école, notamment dans le groupe des écoles Béré de la Fondation Ola Yuosho. Nous les verrons à Béré Limité et à Béré Ngaliema à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Dans la suite du message du dimanche dernier sur la source d'eau intarissable donnée par le primat du ministère chrétien du combat spirituel, les partenaires de Jésus ont été conviés à restaurer la source d'eau qui jaillit dans leur cœur. C'était au cours de leur réunion de chaque lundi. Cette restauration permettra à chacun de vivre les promesses de Dieu dans sa vie, a rassuré le disciple de Jésus, le général Denis Kikobia. Se basant notamment sur Ézéchiel 47, du 1er au 6e verset, Papa Kikobia a expliqué que cette restauration se réalise dans la présence du Seigneur. Voilà comment j'ai compris, en dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez rien avoir, car lui a toute la révélation. Et dans Ézéchiel 47, au verset 1 jusqu'au verset 6, Dieu m'a mis à cœur, dans sa présence, il y a quatre niveaux de combat spirituel. Un partenaire est appelé à combattre à quatre niveaux pour arriver à restaurer la source d'eau qui jaillit dans son cœur. Amen. Et ces quatre niveaux sont clairement décrits dans ces chapitres et ces versets. Et dans ces quatre niveaux, je n'aurai pas peut-être le temps, Dieu m'a révélé chaque dimension des ténèbres que l'homme est appelé à combattre à chaque niveau pour passer à un autre niveau jusqu'à pouvoir restaurer la source d'eau qui jaillit dans son cœur. La restauration de la source d'eau de vie en nous s'impose, car avec la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, nous avons adhéré à la parole qui jaillit du trône des abîmes et de la mort. Et pourtant, en nous défendant de manger de ce fruit, l'Éternel nous avait donné sa parole qui provient de son trône de vie et de lumière. Deux types de sources d'eau existent donc. La source intarissable qui donne la vie et la source tarissable qui cause la mort. Demeurons dans la présence du Seigneur dans une vie d'intimité avec son esprit pour être restaurés dans toutes nos entreprises en tant que partenaire de Jésus, avait terminé le général Kikobia. Intervention suivie comme toujours d'un moment de prière de renoncement et de combat spirituel. Déferlement particulier de l'onction du Saint-Esprit dimanche dernier au siège de Johannesburg, à la faveur de la présence au culte d'adoration des deux enfants nés miraculeusement. Il s'agit de Samuela, 25 ans d'âge, et Emmanuel, 23 ans. En visite en Afrique du Sud, ils sont venus adorer l'Éternel. Tenez, ces deux enfants sont nés après 18 fausses couches et avortements de leur mère. La messagère de Jésus, Maman Samuela, encadreuse chez les femmes de foi au royaume des possibilités. Ah,
Leur présence a déclenché dans la salle une atmosphère particulière d'adoration sur fond de réalisation personnelle et collective de la toute-puissance de notre Dieu. L'Éternel peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées, comme l'a affirmé Job. Ce moment a aussi reboosté la foi de plusieurs femmes aux prises avec la stérilité. En son temps, le Seigneur accomplira sa promesse. Effectivité de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, le lundi 5 septembre 2022. Les Bleu-Blancs ont renoué avec le chemin de l'école, notamment dans le groupe des écoles Béré de la Fondation Olangui-Wosho. À Limété, en ce jour de la rentrée, l'optimisme est de mise quant à l'issue de l'année scolaire 2022-2023, comme l'ont affirmé quelques élèves. Optimisme également du côté des responsables qui rassurent que toutes les batteries sont mises en marche pour une meilleure année scolaire. Rémi Ouemboloa est le conseiller principal de l'école. Les vacances n'ont fait qu'eu un mois seulement. C'est pour dire que les parents n'avaient pas vraiment eu le temps de se préparer en conséquence. Mais du moins, par la grâce du Seigneur toujours, certains parents se sont déjà présentés. Et nous voyons que la lire est bonne. Et cette semaine ici, nous continuons à recevoir les parents et nous espérons toujours par la grâce que tous nos élèves de l'année passée seront avec nous cette année. Lundi 5 septembre, toutes les trois sections ont repris, de la maternelle au secondaire, en passant par le primaire. Beaucoup d'élèves ont répondu présents, s'est réjoui Shekina Omba, directrice de la maternelle. Tout va bien, il y a de l'ambiance, on reçoit des parents qui viennent, d'autres pour demander à s'inscrire, à inscrire les enfants, d'autres pour les fournitures scolaires, d'autres de renseignements, en tout cas c'est bon. Il y a l'ambiance, il y a déjà la prière qui est là-bas, qui commence dehors. Comme c'est l'école Béret, vous savez que c'est une école chrétienne. Dans la vision de l'école Béret, la première semaine est à dominante spirituelle pour recommander la nouvelle année dans le creux de la main du Tout-Puissant. Rentrée effective également à Béré-Ngaliema. Les élèves de différentes sections étaient présents. Priorité en ce premier jour à la prière, selon que l'Écriture dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Certains parents qui ont accompagné leurs enfants à l'école ont réitéré leur confiance en l'établissement. Comment vous avez trouvé la rentrée scolaire des enfants? La rentrée scolaire des enfants, ça va aujourd'hui, j'ai apprécié, sauf que tous les enfants ne sont pas encore venus par manque d'uniformes, des cahiers, tous les fournitures scolaires. Mais avec le temps, on espère qu'ils seront prêts et venir étudier avec les autres. Le directeur coordonnateur de Béré-Ngaliema, Cham Gouchigina, remercie les parents pour leur confiance. Nous confions l'Éternel qui nous a protégés. Vous avez vu les enseignants. Il a protégé les enseignants, et tout le monde. Les parents qui ont fait encore confiance à notre école sont là avec leurs enfants. Tout le personnel de l'école continuera de donner le meilleur de lui-même pour le succès de la nouvelle année, a rassuré Esther Dissanka, responsable du secondaire. Nous mettons Dieu en premier lieu, Dieu au centre de tout, mais il y a la science. Maintenant, pour le moment, les enfants sont dans les salles de classe avec les enseignants. Mais avec l'impression que nous avons le premier jour, nous espérons que demain, ça sera vraiment, les élèves seront vraiment très nombreux. Et nous sommes vraiment dans la joie. Et nous disons grand merci
à notre maman coordonnatrice, maman Nisso Odang Chibamba. Rappelons que l'approche éducationnelle de l'école Béré, c'est la formation intégrale de l'enfant, entendez, son esprit, son âme et son corps. On ne naît pas avec la discipline. Quand nous sortons dans les ventres de nos mères... Noces d'été du couple Alain Gabriel et Ruth Olangi. Elles ont eu lieu le week-end dernier. Le dimanche 4 septembre, après le culte d'adoration, une surprise a été faite au couple Olangi Junior à la Maison d'Alliance. Bien que nous sommes en plein 30 jours de jeûne et prière pour implorer l'intervention du Seigneur en vue de la réouverture de nos 12 représentations au Congo-Brazzaville, ce 10e anniversaire de mariage ne pouvait pas passer inaperçu. Dans sa prière de remerciement à Dieu, le primat du ministère a monté en épingle l'harmonie et la stabilité de leur couple, mettant ainsi à rude épreuve les vents et marées de l'ennemi. Malgré vents et marées, tu as cheminé avec nous. Amen. Dans la joie, dans l'allégresse, dans la tristesse, dans les disputes, dans les querelles, tu as cheminé avec Amen. Nous. Amen. Nous ne pouvons que te rendre des multiples actions de grâce. Amen. Car ces 10 ans, Seigneur, nous te le dédions. Amen. Ces 10 ans, nous te le remettons entre tes saintes mains. Amen. Et nous te disons merci. Merci. Beaucoup d'années sont encore devant ce couple béni de Dieu qui jouira sûrement de la longévité conjugale du couple berger du MCCS. L'Éternel notre Dieu en effet est le même hier, aujourd'hui et éternellement.